Salut tout le monde, c'est Darsnoy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon bureau pour un tutoriel pour vous apprendre à convertir votre crédit ou votre forfait de votre téléphone en euros. Donc on va commencer tout de suite le tutoriel. Allez jusqu'à la regardez surtout jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais expliquer des choses assez complexes. Donc allez, hop, vous vous rendrez sur youpass.com. Si vous avez déjà un compte, vous connectez, sinon vous ouvrez un compte. Vous pouvez connecter avec Facebook ou avec PayPal. Vous rentrez votre pseudonyme, votre email, votre mot de passe, vous le confirmez, votre date de naissance, vous acceptez, vous faites le captcha et puis voilà. Bon, moi j'ai déjà un compte, donc je fais une pause le temps de me connecter. Donc à tout de suite. Re tout le monde, donc voilà, je me suis connecté sur mon compte. Donc, vous pouvez voir que c'est vraiment un site web bien agencé. Là, vous voyez que j'ai 0,06 centimes, enfin euros. Donc, ça, c'est l'argent que j'ai actuellement. Si j'ai cet argent-là, c'est parce qu'à chaque fois, il y a les 9,99, etc., etc. Donc, ça s'accumule au fur et à mesure. Bon, bref. Pour ajouter des fonds, vous allez cliquer sur ajouter des fonds, évidemment. Et alors? Voilà. Quand vous arrivez ici, vous avez les formules You sans code et les formules passe avec code. Donc les plus sécurisées, c'est les formules passe avec code. Donc vous appelez un numéro un tel nombre de fois et au dernier appel, il vous donne un code que vous rentrez sur le site web et il vous crédite de l'argent. Ou sinon, il faut appeler un numéro et il vous crédite instantanément votre argent sur votre compte. Donc, moi je vais faire formulaire passe avec code. Cliquez sur commencer. Alors j'attends que ça charge. Voilà. Hop. Vous choisissez votre pays. Donc là ils ont rajouté France Outre-mer. Avant il n'était pas. Moi France métropolitaine. Vous choisissez la solution. Vous laissez comme ça. Hein. Ou sinon vous faites appel avec SMS. Mais bon. Donc vous choisissez le montant à créditer. Donc vous voyez que par appel. Je vais faire avec ça par exemple. Voilà, 2 euros l'appel. Et voilà, ils vous déduisent 1 euro de votre forfait pour vous donner 50 centimes. Mais par exemple, si vous voulez 10 euros et que vous avez un forfait à 15 euros, ça ne sert à rien parce que votre argent ne sera même pas crédité vu que ça déduit 17,94 sur votre forfait. Il faut appeler 6 fois. Et au 6e appel, bah, il vous donne le code que vous rentrez ici. Bref, donc si vous avez un forfait de 15 euros par exemple, vous irez sur 8,40 pour choisir un choisissez 8,40 et vous appelez 5 fois et au 5e appel, il vous donne votre code que vous rentrez ici et il vous créditera l'argent. Etc. Vous pouvez faire ça avec tout. Vous faites en fonction de votre forfait de toute façon. Bref, dès que vous avez crédité votre argent, enfin crédité votre e-wallet, ça s'appelle comme ça, vous irez dans boutique. Si vous voulez acheter quelque chose, évidemment. À la base, c'est fait pour ça. Alors, ici, vous avez les meilleures ventes. Donc, par exemple, jeux vidéo, c'est cartes PSN et Steam. Vous avez aussi des codes YouPass, mais ça, je préfère pas vous en parler encore. Ça sert pas à grand-chose. Par exemple, imaginons que vous voulez, je sais pas moi, une carte Google Play. Vous marquez Google Play. Vous cliquez sur catégorie Google Play et vous voyez qu'il y a énormément de choix et ça descend, ça descend. Ça charge évidemment, il y en a vraiment beaucoup. Par exemple, vous voulez, je sais pas moi, une clé Google Play de 25 euros. Vous cliquez ici sur Google Play 25 euros. Ah oui, donc là ils en ont plus en stock. Vous voyez, hors stock. Il faut faire très attention à ça aussi. Ils en ont plus en stock. Donc dans ce cas-là, vous faites. C'est pas grave. Hein. On va recliquer sur Google Play. Juste ici. Et voilà. Et là ils en ont plein de hors stock. Ce qui est dommage d'ailleurs. Mais ça se remet tous les mois. Hein. C'est pas grave. Vous avez par exemple sur 50 euros. Hein, on va faire un exemple. Par contre, je vais pas l'acheter parce que vous voyez que là j'ai pas d'argent sur Wallet. Vous faites ajouter au panier. Je vais le faire, aller au panier.
Et vous... Shit. Voilà, ça c'est votre, là c'est mon adresse email par exemple. Donc vous faites j'accepte les conditions, vous faites finaliser mes achats, mais vous faites ils vous diront payer avec votre U-Wallet. Vous allez voir, je vais faire ça, finaliser mes achats. Ils vont dire en paiement, vous cliquez sur U-Wallet. Ou sinon vous pouvez faire avec carte bleue, etc. Visa. Vous faites comme vous voulez. Tais-toi, parfait. Donc voilà, je pense que c'était tout. Je m'attarde pas sur l'onglet vendre. Donc merci d'avoir regardé ce petit tutoriel. C'était Dark Snowy. Heartstrings, violence, that's what I hear.